Salam alaikum, je suis Sadiq Al-Mallem, docteur en sciences de l'économie et de la gestion et expert en développement. Suite à la demande de plusieurs personnes, je partage avec vous la vidéo de ma soutenance de thèse de doctorat qui a eu lieu le 5 décembre 2020 à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales suisse, Université Mohamed V, Rabat. La thèse que j'ai soutenue s'intitule « Les modèles de développement entre utopie et réalité cas du Maroc » et le fruit non seulement de lectures et d'analyses d'apports scientifiques de différents chercheurs en matière de développement, mais également d'un travail de recherche étalé sur 14 ans qui m'a permis d'être très proche d'une variété d'acteurs intervenant dans les processus de développement de différentes classes et positions sociales. L'objectif principal de ma thèse de doctorat était donc de comprendre les facteurs critiques qui influencent le succès des modèles de développement au Maroc. J'espère que vous apprécierez cette vidéo. Chère candidate, tout d'abord félicitations, Madame Sadeqa, félicitations d'avoir mené à bout ce travail de recherche doctorat et d'être aujourd'hui devant cet éminent jury afin de le soutenir sur un sujet d'extrême importance. Sans vous cacher, la question de développement, aussi bien au Maroc ou ailleurs, est une question que depuis les années 1950 ne cesse d'écouler plus d'encre. Et du coup, donc, les pays se retrouvent à des niveaux de développement différenciés selon, bien évidemment, les éléments de mesure que l'on peut mettre en place. Et l'expérience humaine nous a démontré que même les pays que nous considérions jusqu'à un proche temps comme des pays développés, j'ai en tête les pays de l'Europe, certains pays de l'Europe, la Grèce, ont régressé dans les échelles de mesures internationales telles que l'IDH ou par exemple Doing Business, et donc le développement reste un élément difficile à mesurer tout d'abord, mais également difficile à cerner, et on ne peut pas dire qu'un pays est passé de l'autre côté de la barre puisque ça dépend bien évidemment du contexte et des réalités. Autre élément également essentiel, c'est que les crises, de manière générale, qu'elles soient systémiques ou économiques ou financières, et plus particulièrement la crise actuelle que nous vivons, cette crise-là, cette pandémie-là, a démontré la fragilité des systèmes, aussi bien économique, sanitaire, quand on se retrouve avec des pays de renom international qui étaient connus par ce qu'on appelle l'État social, l'État qui plaide pour l'humain, qui se retrouve dans une situation difficile telle que l'Italie, telle que les États-Unis, on comprend bien l'importance du sujet que vous avez abordé. Deuxième élément que je ne manquerai pas de souligner dans cette introduction, je remercie Mme Lemzehi Kautar de m'avoir associé tout d'abord en tant que rapporteur, puis membre de jury, et m'a honoré de présider ce jury-là. J'aimerais bien souligner qu'un travail de recherche est un travail duo, d'un tandem. Ce n'est pas un travail d'un doctorant. C'est un sacrifice aussi bien du temps, de la santé, d'un encadrant qui aime que son protégé, dans ce cas sa protégée, vienne devant elle un jour devant un jury, je ne dirais pas pour défendre, mais pour discuter. Parce que le moment de la thèse, c'est un moment de discussion avec un chercheur afin de connaître son étoffe, de connaître son degré de maîtrise, parce que c'est lui qui était sur les 5 années ou les 6 années qu'elle a passées sur le sujet, mais sans oublier qu'un encadrant s'est engagé depuis le départ, et sincèrement, nous ne sommes pas dans un système de méritologie ici au Maroc, pour dire qu'au même titre qu'un doctorant est récompensé par le titre de docteur, son encadrant est récompensé seulement par la satisfaction et la reconnaissance. Il faut également souligner ceci, parce que dans d'autres cieux, un encadrant également reçoit tous les galons de mérite quand elle
fait parvenir un doctorant jusqu'au bout du tunnel du projet, parce que ça reste un projet. Bon, aujourd'hui, vous êtes devant un jury qui est composé de Madame Remzi-Kautsar, professeur d'enseignement supérieur à la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales suisse, et en sa qualité d'encadrante et membre de jury. Devant Madame Benani Bouchra, professeur habilité à l'École nationale du commerce et de gestion de Casablanca, et nous la remercions beaucoup d'avoir accepté tout d'abord de rapporter à la faculté. Il faut une correction. Donc, Madame Benani Bouchra, et on corrige maintenant professeur habilité à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Ainsba de Casablanca. Et on vous remercie tout d'abord en votre qualité d'avoir accepté de rapporter, de faire le rapport d'évaluation devant M. Chewe Abdullah, mon ami frère également, qui est de la faculté des sciences juridiques, économiques, sociales, suisse de Rabat, et bien évidemment qui a joué le double rôle également, et nous tenons à le remercier également parce qu'elle a fait le rapport et également il siège. Nous remercions également Mme Najab Ahmed qui était bien évidemment associée ici, mais pour des raisons de santé, comme vous le savez, c'est la pandémie. S'il n'y a pas une personne atteinte, il y en a ceux qui l'ont côtoyé, et donc on se retrouve devant ces difficultés. Mais sinon, pour un jury, le quorum d'un jury est complet, et donc on peut considérer que le travail peut se dérouler et soutenir. Donc, sans plus tarder, les règles de jeu sont les suivantes. Vous avez 20 minutes, à 25 maximum, pour le présenter l'essentiel des réalisations et des résultats de votre travail. Comme vous le savez, nous avons lu et Mme Menzi a encadré votre travail. Donc chacun de nous a des éléments à partager avec vous. Donc ce qui nous importe, c'est de voir vos qualités orales, c'est de voir comment vous avez maîtrisé votre sujet. Donc vous avez 20 minutes. Par la suite, je ne ferai pas à chaque fois une synthèse, donc vous allez prendre note. Je donnerai la parole à notre invitée, Madame Bouchra Benani, et par la suite, je passerai à M. Abdullah Chewi également pour qu'il partage avec vous ses informations. Du moment que j'étais rapporteur, bien que président, je partagerai, mais j'essaierai d'être bref, quelques remarques essentielles. Je ne vais pas aller dans les détails, les remarques essentielles que je relevais sur votre travail. Et bien évidemment, ce n'est pas par manque de galanterie que j'ai laissé mon ami et ma soeur, en fait, quand on a terminé à la fin, mais c'est parce qu'il va jouer également le rôle de l'avocat. De l'avocat de sa candidate, et parfois certaines remarques qui seront faites par le jury, elle a un regard, puisqu'elle était encadrante, on est entre collègues, elle avait un regard sur la question, on peut demander nous, peut-être que telle chose devait être corrigée, mais elle, vu qu'elle a conduit le travail, elle savait ses tenants et aboutissants, donc elle peut se mettre en place aussi bien de te critiquer, mais également de jouer le rôle d'avocat. Et donc, j'ai dit, je ne vais pas faire la synthèse à chaque fois qu'un membre du jury passe, je passerai directement la parole, comme ça, on gagne du temps. Bien donc, sûr. Avant la parole, Madame le Mouallem, ça va. Donc, je vous remercie, Monsieur le Président du jury, de me donner la parole. Je tiens également à remercier les membres du jury pour leur présence, ainsi pour leur lecture attentive de ma thèse. Je voudrais exprimer ma gratitude à ma directrice de recherche, Mme Kautsar Al-Menzi, pour m'avoir accompagnée et soutenue tout au long de ce travail de recherche. Donc, je soumets aujourd'hui à votre attention une thèse de doctorat en sciences de gestion qui s'intitule « Les modèles de développement entre utopie et réalité, cas du Maroc ». Cette thèse constitue l'aboutissement des recherches que je poursuis depuis des années sur la thématique du développement. Je vous présenterai donc le contexte, la problématique et les hypothèses de ma recherche, la méthodologie utilisée et les résultats obtenus. J'indiquerai enfin les principales conclusions et les chemins possibles pour continuer ce travail de recherche. Donc, le développement est un laboratoire vivant pour les théoriciens, les praticiens et les décideurs. Sa pertinence grandissante résulte de la diversité et de la complexité des situations de développement qui réconcilient à la fois plusieurs dimensions humaines, sociales, culturelles, économiques et institutionnelles.
les situations de développement. N'ayez pas le stress de courir. Je disais que les situations de développement nous apprennent par expérience que les modèles de développement ne sont pas toujours opératoires. Donc l'Afrique et le monde arabe nous fournissent des expériences de développement qui contrarient fortement les présupposés du paradigme du développement. Le Maroc, au même titre que les autres pays d'Afrique et du monde arabe, est confronté de plus en plus aux défis de développement. En effet, depuis la fin des années 1990, le Maroc a initié un vaste processus de réformes et de mesures en réponse aux besoins et attentes des citoyens marocains. En revanche, malgré tous les efforts consentis et les réformes successives, le développement économique, social et humain du pays accuse toujours un retard flagrant. En effet, la compréhension des facteurs critiques qui influencent le succès des projets de développement constitue une étape primordiale dans la planification des futurs projets visant le développement économique, social et humain du pays. Dans cette perspective, le secteur sanitaire marocain qui s'enfonce dans la crise, malgré les différentes réformes et projets visant son développement, nous semble être un domaine d'études particulièrement fertile pour l'analyse de l'efficacité des modèles de développement marocains. Donc la présente thèse est le fruit d'un travail de recherche étalé sur 14 ans, durant lequel nous avons effectué plusieurs lectures et analyses d'apports scientifiques de différents chercheurs en matière de développement. Et nous avons également réalisé plusieurs études de terrain dans les deux secteurs, formels et informels. Ces études de terrain nous ont permis d'observer et d'analyser le comportement et les logiques d'action d'une variété d'acteurs de différentes classes et positions sociales intervenant dans les processus de développement. En effet, nous avons pu constater l'existence d'une forme spécifique d'un système alliant à la fois une forme et une dimension formelle et informelle, et dans lequel des acteurs interdépendants agissent en fonction de rationalités différentes. L'originalité de ce système réside principalement dans sa vocation bienveillante ou malveillante. Ainsi, nous qualifions le système malveillant de woke system et le système bienveillant d'out system. Ce constat était pour nous le point de départ pour élaborer notre problématique de recherche qui se présente ainsi. Dans quelle mesure le passage d'un woke system à un out system peut-il apporter une nouvelle perspective d'évolution innovante au projet de développement au Maroc? Dans cette optique, nous avons élaboré deux hypothèses de base que nous avons vérifiées par la suite. La première hypothèse est l'inexistence d'un modèle de développement idéal. La deuxième hypothèse est l'existence d'un wall system qui entrave le développement du secteur sanitaire marocain. Dans cette thèse, nous avons fait le choix de nous positionner épistémologiquement dans le cadre d'une recherche par raisonnement en boucle récursive, induction, déduction et abduction. Notre démarche de recherche est à la fois interactive et itérative, puisqu'il s'inscrit dans une alternance entre observation, invention, conceptualisation, confrontation à la littérature et expérimentation sur le terrain. Afin de mener à bien notre étude, il nous a semblé opportun de faire une combinaison entre trois méthodes de collecte des données. Nous avons utilisé les grilles cytoanalyses que nous avons développées nous-mêmes. Nous avons également utilisé la triangulation, les trois types, la triangulation méthodologique, la triangulation des données, la triangulation des participants. Et enfin, nous avons utilisé la recherche intervention à visée collaborative et transformative. De même, il nous a paru essentiel et indispensable de procéder à une validité de signifiance et de restituer la version finale de l'étude à quelques usagers et professionnels des deux secteurs publics et privés afin de nous assurer de la validité des résultats de notre étude. Donc, compte tenu de la révision critique des théories de développement que nous avons effectuées, nous avons pu confirmer notre première hypothèse de recherche relative à l'inexistence d'un modèle de développement idéal. En effet, la littérature sur le développement est relativement abondante. Cependant, les théories de développement peuvent être classées en deux grandes paradigmes scientifiques. Le paradigme critique du développement et le paradigme classique du développement. Donc les théoriciens du paradigme classique du développement interpellent les idées de modernisation, de croissance, d'industrialisation et d'avancement scientifique pour expliquer le phénomène de développement. Nous avons décidé donc de mettre en lumière l'apport de trois grands théoriciens de ce paradigme de développement, à savoir Adam Smith, Karl Marx et John Maynard Keynes.
Donc, dans la conception smithienne, le développement est parfaitement assimilé à la croissance et il est fortement conditionné par le déploiement de l'économie de marché et du capitalisme. Dans son apport théorique, Karl Marx insiste sur l'élimination de la propriété privée et le rôle de l'État dans le changement et la prospérité de la société. Quant à John Maynard Keynes, il ne rejette pas l'économie de marché, mais préconise l'intervention de l'État pour relancer la croissance. Donc l'État devient un acteur primordial de développement. Ces principes ont vu leur concrétisation durant la période des 30 glorieuses avec le modèle de croissance keynésofordiste. En effet, l'instauration d'une économie mixte État-marché pendant cette période a permis d'atteindre une forte croissance et des résultats remarquables. Cependant, à partir du milieu des années 1970, le modèle de croissance fordiste est en crise. Et c'est ainsi que la conception mécaniste du développement, qui présente le développement comme l'effet produit par une masse financière de capital injectée dans une société pour obtenir une croissance, est remise en cause. Donc l'une des principales répercussions de la crise du modèle de croissance keynésofordiste était la reconnaissance de l'importance des territoires dans le développement. Et c'est ainsi que le paradigme critique des théories de développement a pris de l'ampleur. Donc les différentes théories qui se sont formulées à l'intérieur de ce paradigme scientifique se complètent largement pour fonder une critique de la vision universaliste des modèles de développement classique et proposer différentes formes de développement alternatives, endogènes et territorialisées, capables de créer de nouvelles dynamiques socio-économiques. Ainsi, les différents concepts de développement local, de développement endogène, de développement humain, de développement durable reconnaissent le caractère pluridisciplinaire et multidimensionnel du développement et plaident en faveur d'une conception de développement qui renvoie à la nécessité de l'intégration des dimensions humaines, sociales, culturelles et environnementales dans les processus de changement visant l'amélioration des conditions de vie des populations. Dans cette perspective, nous avons présenté la théorie des sites symboliques d'appartenance, développée par Hassan Zawal, comme l'une des principales théories du paradigme critique du développement. Nous constatons aujourd'hui que les institutions internationales sont devenues conscientes de la puissance des facteurs non économiques, croyances, normes, valeurs, appartenance, confiance, adhésion, dans les processus de développement. De ce fait, il essaye d'incorporer de plus en plus au concept de développement des termes tels que local, durable, humain, social, solidaire et alternative. C'est à l'intérieur de ce carrefour à contraintes multiples que nous avons développé notre théorie OUT, dans laquelle nous proposons un ensemble de principes et de lignes directrices permettant un changement susceptible d'application concrète sur le terrain. Le pluralisme du monde, des réalités et des vérités, nous conduit à voir la société comme une suite infinie de systèmes et d'acteurs qui doivent être abordés en intégrant impérativement leur contexte humain, culturel et historique. C'est cette nécessité d'opérer les interactions entre les acteurs, les organisations de leurs univers et le monde extérieur qui nous a amené à forger la notion de view system. Ainsi, le view system est un système très particulier, construit à partir des interactions perpétuelles entre différents acteurs, éco-acteurs, hypo-acteurs, cyto-acteurs et out-acteurs. Donc, dans notre théorie out, l'acteur est le centre de gravité et l'élément de base qui confère au view system son identité fondamentale. L'originalité de notre approche OUT réside principalement dans notre conception particulière du view system. Nous défendons l'idée de l'existence de deux types de systèmes, le wall system et l'OUT system. La typologie du view system est dépendante principalement de la vision et de la perspective dominante des différents acteurs en action. Et par la suite, le wall system
peuvent se présenter comme un vieux système marqué par une forte malveillance et focalisé exclusivement sur la recherche de l'intérêt individuel et la maximisation du profit. C'est un système individualiste de blocage qui aboutit à l'exclusion des acteurs bienveillants et à entraver toute initiative entrepreneuriale et innovation susceptible d'améliorer l'efficacité et l'efficience des actions bienveillantes et de favoriser le mieux-être commun. Par contre, l'autre système est un système de bienveillance, alliant humanisme et espérance. C'est un système générateur d'harmonie et prometteur d'un mieux-être collectif. L'autre système devient un support d'humanisme, de confiance, de certitude, de cohésion et d'harmonie préalable à toute implication des acteurs aux dynamiques de développement, ou plutôt, nous qualifions de Youssef. En effet, l'évolution des sociétés ne peut se comprendre uniquement à travers l'analyse d'une seule de ses composantes et ne peut se faire sans tenir compte des différentes dimensions et interactions que développent les acteurs. L'originalité de Youssef réside donc dans sa capacité à mesurer le progrès des sociétés en reliant deux grandes dimensions de la condition humaine, la morale et la performance. Le Youssef que nous défendons dans cette théorie n'est pas un concept utopique, c'est une finalité que les acteurs peuvent atteindre en adoptant une nouvelle démarche d'intervention, la Youssef intervention. La Youssef intervention est donc un processus d'évolution innovante permettant le passage d'un world system malveillant à un autre système bienveillant. Il permet également de renforcer les mécanismes de développement et d'évolution dans un autre système existant afin qu'il puisse être générateur d'harmonie et prometteur d'un mieux-être collectif. Ce changement innovant ne peut se réaliser dans toutes ses profondeurs sans l'existence d'un autre acteur. Et donc l'autre acteur est au fondement du changement qui transforme la vision des différents acteurs et permet de mettre à profit leurs qualités, talents et habilités au sein du vieux système qui se transforme en un système de recréation de sens et de valeurs sous différentes formes. La Youssef intervention est donc une démarche d'intervention participative dans laquelle l'autre acteur obtient la confiance des autres acteurs et se positionne en tant que stratège capable de fédérer et de mobiliser les énergies nécessaires autour d'un projet Youssef. Donc, dans notre théorie out, nous préférons utiliser le concept projet Youssef au lieu de modèle de développement. Du fait que nous pensons que le développement est irréductible à un simple modèle qu'il suffit d'appliquer pour garantir l'évolution d'une société. L'inexistence d'un modèle idéal de développement qui peut servir de référence ou d'exemple à reproduire ou à imiter en tout temps et en tout lieu s'explique principalement par la complexité des situations et la pluralité des acteurs. Le concept projet Youssef nous paraît plus représentatif de la réalité et se construit à fur et à mesure que les situations changent et les processus d'évolution s'imposent. Le projet Youssef est donc la concrétisation de rêves, d'ambitions et d'idées des différents acteurs du vieux système. Donc, afin de vérifier notre deuxième hypothèse de recherche, nous avons appliqué notre théorie out au contexte marocain en réalisant une cytoanalyse du vieux système sanitaire marocain. Grâce à cette cytoanalyse, nous avons pu confirmer notre deuxième hypothèse de recherche relative à l'existence d'un world system qui entrave le développement du secteur sanitaire marocain. Nous avons réalisé cette cytoanalyse en deux grandes phases. Dans la première phase, cytoanalyse générale du vieux système sanitaire marocain, nous avons démontré que la crise du capital humain est la cause principale de l'échec répété des différents projets de développement du secteur sanitaire. Dans la deuxième phase, cytoanalyse du vieux système sanitaire marocain en situation de changement, nous avons déterminé avec précision les conditions nécessaires pour réussir un projet de changement. Et donc, grâce à cette cytoanalyse, nous avons pu déterminer les principales caractéristiques du système sanitaire marocain. Premièrement, la majorité des professionnels sont de type éco-acteurs et hypo-acteurs. Ce sont des individualistes, matérialistes et opportunistes qui poursuivent leurs propres objectifs au détriment de celui des autres acteurs. Les professionnels de type cito-acteurs constituent une minorité.
la majorité des éco-professionnels et des hypo-professionnels sont non qualifiés et inexpérimentés. L'éco-accent et la logique d'accent qui priment dans le vieux système sanitaire marocain. La recherche de l'intérêt général est secondaire. La primauté est accordée aux intérêts individuels. Les éco-professionnels et les hypo-professionnels préfèrent les processus de changement centrés sur la formation, l'apprentissage et le développement des capacités et des compétences individuelles. La résistance au changement des éco-professionnels et des hypo-professionnels sont de type passif et son intensité varie en fonction de leurs objectifs et de leurs intérêts personnels. Leur résistance augmente face à tout changement qui peut minimiser leur utilité et leur profit. Les éco-professionnels et les hypo-professionnels adoptent des stratégies d'exploitation et d'opposition et essayent de bloquer les processus de changement bienveillants. Ils manipulent ou ils maintiennent les autres acteurs du vieux système dans des relations d'asymétrie d'information et dans des situations d'incertitude. Les éco-professionnels et les hypo-professionnels détiennent plus de pouvoir et influencent le fonctionnement du vieux système sanitaire dans sa globalité. Ils arrivent même à manipuler leur environnement et à exclure les sites professionnels et à limiter, voire même empêcher leurs actions bienveillantes. Les éco-professionnels et les hypo-professionnels entravent toute initiative entrepreneuriale et innovation susceptible d'améliorer l'efficacité et l'efficience des actions bienveillantes et de favoriser le mieux-être commun. Donc, à travers la cytoanalyse, nous pouvons conclure que le système sanitaire marocain est un vieux système de type wall system, marqué par une forte malveillance et focalisé exclusivement sur la recherche de l'intérêt individuel et la maximisation du profit. L'existence de ce wall system génère l'inefficacité organisationnelle, provoque la défaillance et entrave le développement du secteur sanitaire marocain dans sa globalité. Et par la suite, l'échec des différents projets de développement du secteur sanitaire marocain s'explique par l'existence de ce wall system. Nous avons également conclu que la crise du capital humain est la cause principale de l'échec répété des différents projets de développement du secteur sanitaire et que la réussite d'un projet de développement au Maroc est conditionnée par le choix de l'acteur de changement, par la valorisation du capital humain à travers l'enseignement moral et civique, la formation professionnelle, la reconnaissance de la compétence professionnelle et finalement l'engagement des acteurs. Donc finalement, grâce aux différentes recherches que nous avons menées tout au long de nos études universitaires, nous avons pu conclure que le wall system n'existe pas uniquement dans le secteur sanitaire, mais c'est le type de vieux système le plus diffusé au Maroc. L'existence de wall system entrave le développement du Maroc dans sa globalité, puisque les différents projets de développement seront voués à l'échec. La prolifération des wall systems au Maroc est due principalement à une crise morale, puisque la société marocaine est devenue productrice d'éco-citoyens et d'hypo-citoyens individualistes, matérialistes et opportunistes. Et c'est ce qui explique la défaillance de nos organisations publiques et privées. Ce faisant, le passage d'un wall system à un out system devient une nécessité récurrente pour que le Maroc puisse entamer une nouvelle perspective d'évolution innovante de son développement. Et ce passage du wall system à l'out system au Maroc est tributaire principalement de la valorisation de son capital humain qui est le citoyen marocain. Finalement, le travail mené dans cette thèse porte sur la cytoanalyse du développement au Maroc qui constitue une étape primordiale pour la réalisation d'une new intervention. Actuellement, nous sommes en train d'inventer un projet Youssef Maroc dans lequel nous essaierons de mettre ou là de concrétiser les attentes et les ambitions des différents citoyens marocains que nous avons rencontrés tout au long de ce travail de recherche. Et je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment, Madame Sadiqa, merci de nous avoir gratifié par cette présentation qui reprend les moments essentiels, bien évidemment, de votre travail de recherche. Certes, vous n'avez pas assez de temps pour aller aux détails des démonstrations, surtout méthodologiques et d'échantillons qui ont été étudiés, d'analyse
supplémentaire, c'est-à-dire en tableau, en graphique, puisque, comme on dit, c'est un choix quand on fait des présentations, c'est un choix à faire. Bien évidemment, beaucoup de choses interpellent les membres du jury, dont votre créativité, je l'appellerai maintenant, parce que tu étais très créative. Maintenant, sur le plan scientifique, est-ce que cette créativité est honorable ou pas? Ça reste objet de discussion. Autre élément rapide, puisque vous avez dit que vous travaillez à l'heure actuelle sur un projet User Maroc, sachez que ce qui nous intéresse maintenant aujourd'hui, nous, en tant que membres du jury, c'est un peu l'apport scientifique à la recherche, loin du travail, comme on dit, de l'étoffe qui peut ressortir comme celle d'un consultant. C'est pourquoi j'ai dit, ça reste à juger sur et la balance scientifique, ce niveau de créativité, mais je considère déjà qu'il y a une forte créativité. Vous nous avez interpellé également Feu Hassan Zewer, que j'apprécie beaucoup, l'Arhmou. C'est quelqu'un qui a plaidé pour le Maroc, qui a plaidé pour la région natale où il était. Et c'est quelqu'un qui a voulu voir un jour un Maroc émergent réellement. Et j'estime que pas mal de nous ici, sans le cacher, on s'était offert. On aimerait bien, peut-être avant d'aller de l'autre côté, à l'au-delà, de voir peut-être des choses qui se réalisent. Mais sinon, on espère qu'elles vont se réaliser, puisqu'il y en a certaines personnes qui y tiennent. Donc, sans plus tarder, la parole est à vous, professeur Bouchra Benani, donc pour partager avec la candidate vos remarques et vos suggestions. Merci. Merci. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir apporté la parole. Je remercie tout d'abord ma collègue, mon ami ici, professeur Kawsar Minzi, de m'avoir permis de siéger dans cette soutenance, de m'associer tout d'abord au travail en tant que rapporteur et par la suite de siéger au sein de cette soutenance à côté de mes collègues et amis, donc professeur Atosh et professeur Chaoui. C'est Abdullah Chaoui. Donc. Et je souhaite à cette occasion donc un bon rétablissement à ma collègue Amel Najem, inchallah. Je félicite Madame le Ma'allim Sadeqa pour la qualité de la présentation et le choix de cette thématique qui est une thématique pertinente, que je trouve également une thématique qui est innovante, qui a été donc scindée et traitée sous forme de 5 chapitres. Grosso modo, donc, 3 chapitres théoriques, surtout qui s'intéressent à l'évolution des modèles de développement au Maroc. Et les deux derniers chapitres étaient pour la vérification empirique et la validation des hypothèses. Madame le Ma'allim donc a certes fourni des efforts pour accomplir ce travail, quand même que je juge important. Mais tout travail n'est pas, quand tout travail n'est pas parfait, donc j'ai formulé quelques remarques, surtout pour perfectionner le travail et peut-être les intégrer dans une version finale. Sachant que, avant de formuler les remarques, je tiens à citer les points de force du travail, qui est tout d'abord l'équilibre entre les chapitres. Les 5 chapitres ont été plus ou moins équilibrés, et ça c'est un point vraiment positif pour un doctorant, parce que parfois le doctorant n'arrive pas vraiment à assumer et à réaliser cet équilibre, mais Madame Nualim donc a bien réalisé cet équilibre. Donc la thèse est aussi assez documentée, avec une bibliographie assez riche et plus ou moins récente. Donc le style de rédaction, je trouve qu'il y a une rigueur, le style de rédaction, donc ça c'est un point positif, et surtout donc ce que vous avez cité dans la présentation et dans l'introduction générale également, c'est cet enchaînement, donc c'est-à-dire vous avez choisi la thématique par un enchaînement qui a débuté, ça fait des années, donc je pense que c'était donc 14-13 ans, donc, 14 ans. Et vraiment ça c'est, ça montre que vous êtes quelqu'un donc qui sait ses objectifs et qui a travaillé pour atteindre cet objectif. C'est infiniment, Madame
Bosra Benani, pour les remarques que vous avez bien voulu partager avec la candidate. Comme vous l'avez signalé, ça ne réduit en rien la qualité du travail qui a été fait, mais ça permettrait de l'améliorer davantage, surtout parce que je dis toujours qu'un travail soutenu, c'est votre image. C'est votre image pour le restant de ta vie, en réalité, pour ceux qui le comprennent bien. On a dans l'histoire des personnes qui ont bâclé des travaux ou qui ont plagié carrément des travaux qui étaient des ministres et des premiers ministres carrément dans un pays scandinave, mm-hmm. et qui du jour au lendemain étaient contraints, étaient contraints de poser sa démission et d'aller de la petite porte parce qu'on a découvert que son travail était plagié. Donc plus on soigne notre travail, sachant qu'il reste relatif et discutable, par ce qui est évident, ça va de l'image de la personne. D'autant plus, si ce n'est pas de la flatterie ou un argument flatteur, avec l'esprit de minutiosité que vous avez et de dextérité et de touche que je vois devant moi, c'est des choses qui doivent également apparaître dans le travail. Parce que je constate que vous avez cet esprit d'ordre. J'ai fait de la GRH depuis des années, non pas seulement en tant que prof, mais en tant également que praticien. Vous avez dans votre cerveau, dans votre esprit, cet esprit d'ordre et d'être minutieux. Et cet esprit-là, parfois, qui devient un élément d'ennui pour parfaire un travail. Tellement tu es minutieuse que l'on rate des choses. Donc parfois, il faut lâcher la recherche, veut un peu de relâche pour structurer. Si tu cherches à serrer toujours, bien qu'on sent que tu es bien, mais tu risques d'avoir ces remarques, donc il faut les prendre avec grand cœur et les améliorer. Non pas pour dire que ça a été demandé par les membres du jury, ça doit être corrigé, mais pour vous en tant qu'étoffe de chercheur. C'est d'Abdallah, sans tarder, et je passe la parole à professeur Abdallah Chaoui, pour qu'il partage également avec vous certaines remarques. Et bien évidemment, je suis tout à fait d'accord avec pas mal de remarques qui ont été émises par Mme Bouchra, sont dedans mon rapport également. C'est d'Abdallah. Merci, Monsieur le Président, chers frères et amis, collègues, c'est Hicham. Donc, je souhaite la bienvenue à Mme Bouchra aussi, et un bon retour. Chers collègues, chères candidates, permettez-moi au début de remercier chers collègues, amis, sœurs, Kantar Benzi pour m'avoir associé à ce jury relatif à un travail important, disons qualitativement et quantitativement. Donc, un travail de 255 pages, 5 chapitres, plus ou moins équilibrés, allant de 34 pages à 45, donc il n'y a pas de différence. Donc une bonne présentation qui est claire et fluide. Donc je salue l'effort déployé par la candidate. Donc c'est un travail qui porte sur une question importante puisqu'il propose une étude sur les modèles de développement entre UTP et réalité pour le cas marocain. Le sujet est plus important que la candidate met en perspective des aspects théoriques et empirique que soulève cette question, malgré les quelques insuffisances qui ont été énoncées par Mme Bouchra. Donc, je rebondis sur des remarques qui ont été faites par ma collègue. Donc, l'ensemble du travail montre une bonne connaissance de la problématique que soulèvent les modèles de développement. Il s'appuie sur un travail d'analyse de données qui montre d'une part que la candidate dispose d'une bonne connaissance, compétence dans le domaine des développements. D'autre part, elle apporte une approche pratique, mais sur le secteur sanitaire, est-ce qu'on peut, par exemple, généraliser le résultat obtenu ou non ? Puisqu'on a travaillé sur une région bien précise, est-ce qu'on aura les mêmes idées, est-ce qu'on aura les mêmes réponses dans les autres régions? Donc c'est un travail appuyé par une analyse des données, c'est un travail où on sent
aussi les empreintes de professeur encadrante qui a bousculé la candidate à faire ou à livrer un travail scientifique. Donc ensemble, l'auteur a fait preuve tout au long de ce travail d'une assez bonne maîtrise du concept des déterminants des modèles de développement. Elle a par ailleurs plus ou moins réussi à décortiquer le lien entre... Nous saluons ses efforts personnels dans la lecture et le collecte de l'analyse de l'information. Donc je vous souhaite le plein succès. Je vous remercie, cher frère Sichan. Okay. Merci, cher ami Blachawi. De nous avoir, d'avoir déjà voulu rapporter et partager également quelques éléments de votre rapport et de vos constats et propositions sur le travail avec Madame le Ma'allem Sadeqa dans ce jury. Donc avant de passer la parole à ma sœur et collègue Kautar Menzi, je poserai de côté la casquette de présidence et mettre la casquette de rapporteur momentanément. Bien évidemment, pour ne pas trop s'accaparer la parole et prendre beaucoup de temps des membres du jury, sachant que notre collègue doit faire à nouveau le voyage, je partagerai tout d'abord à nouveau le rapport parce qu'il comporte quand même des détails qui amélioreront votre travail. Je le partagerai avec Madame le Menzehi, qui va le mettre à votre disposition, c'est-à-dire la partie remarque. Comme ça, vous êtes très proche de mes remarques et de leur argumentation. Et donc, pour ce, je remets ma bavette. Je reviens à mon rôle de président maintenant et je donne la parole à sœur et collègue Kautar Menzehi. Bien évidemment, il va jouer les deux rôles, peut-être également. Un vrai avocat, et on est sûrement à l'écoute, et à la rescousse également. Et également, il a des choses qui, peut-être au moment de la thèse, n'a pas pu passer. C'est le moment qu'il les passe. Okay, à vous la parole, madame. Merci beaucoup, monsieur le président. Alors, cher professeur Bounemi, rapporteur et membre du jury, cher professeur Chiaoui, rapporteur et membre du jury, cher professeur Atoche Hichem, rapporteur et président du jury, je voudrais sincèrement vous remercier infiniment du temps et de l'effort que vous avez consacré à l'évaluation de ce travail de recherche doctorale, surtout en cette période de pandémie. Je vous remercie également pour toutes les remarques pertinentes que vous avez formulées. Moi, j'apprends toujours de mes collègues, sincèrement, j'apprends toujours de vous, de vos remarques. Et j'essaye d'exploiter ce que vous formulez comme remarques avec mes autres doctorants par la suite. La candidate, donc mademoiselle Ma'allem Sadeqa, vous avez dit qu'elle est créative, qu'elle a un esprit de créativité. C'est pour ça qu'on est ensemble depuis 14 ans, parce que moi aussi je suis très créative, ça vous le savez. J'adore innover et j'adore surtout ne pas être cadrée. J'adore être libre, penser comme je l'entends, quand j'en suis convaincue. Et j'essaie d'inculquer ça à tous mes doctorants, mes étudiants doctorants. Je leur dis, mais soyez libres, on n'est pas obligé de suivre ce que font les autres, mais allons, innovons. Et voilà, donc ça, la thèse de mademoiselle Ma'allem Sadeqa est le fruit en fait de cette innovation. Elle a eu ma confiance. Le premier jour, elle est venue me parler de son projet. J'ai dit, ah non, mais ça va pas quoi, toi tu voudrais rééduquer le monde? Non, c'est pas faisable. On peut pas accepter. Non, c'est bon, moi je t'encadre, oui, mais pas comme ça. Mais, tabarakallah, elle est déterminée, elle est persévérante, elle cherchait à chaque fois de revenir à la charge, mais en adoptant un autre chemin. Et finalement, j'ai accepté de travailler, vraiment qu'on se lance dans ce travail-là, parce que c'était quand même très ambitieux de vouloir innover un truc qui n'existe pas. Moi, c'est vraiment, ça m'a... Au départ, j'étais abasourdie. Alors, la candidate, mademoiselle Ma'allem Sadeqa, elle fait partie de mes doctorants il y a de cela pratiquement 6 ans. Voilà, elle est vraiment, je lui ai dit, cette dakika tsin. J'ai fait sa connaissance en tant qu'étudiante inscrite en première année depuis maintenant 14 ans. Sachant que j'enseigne depuis 25 ans, donc je la connais depuis très longtemps. Alors, pourquoi 14 ans? Car après son master obtenu à Salé, elle a dû quand même, entre guillemets, chômer pendant 3 ans parce qu'elle n'a pas été retenue dans les concours d'accès au cycle doctoral. D'ailleurs, je pense qu'elle l'a précisé. Elle a été retenue l'année, subhanallah, l'année où on considérait que moi, en tant que femme, dans cette faculté, j'ai le droit d'encadrer. Sachant que légalement, j'avais ce droit bien avant.
Voilà, ça c'est une spécificité FSJUSU, si je le dis haut et fort, et je le clame haut et fort, mais c'est un autre débat. Et donc, alhamdoulilah, quand j'ai été autorisée, entre guillemets, à encadrer, c'est bas, mais bon, c'est pas grave. J'ai quand même... Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas rien. De méritologie, il y a seulement une reconnaissance morale. Oui, mais chez nous, et le président à l'époque, il avait pris connaissance de notre problème, à moi, à Mme Amina Al-Omari aussi. Comme quoi, on n'avait pas le droit de... Ça, c'est pas normal, on était habilité. Ben voilà, oui. Ça, c'est une autre histoire. Donc, pourquoi je vous raconte tous ces détails? Juste pour vous dire et pour vous montrer la place qu'occupe sincèrement Mademoiselle Ma'alm Sadeqa dans mon parcours à moi, académique et scientifique. J'ai beaucoup appris grâce à elle, surtout parce que moi, je suis gestionnaire de formation. Je ne m'y connais pas en modèle de développement économique. Moi, tu me parles de gestion finance, je suis avec toi. Et pourtant, j'ai accepté d'encadrer ce travail parce que je me dis, je suis quand même assez... j'ai les outils pour pouvoir l'accompagner, pour pouvoir la guider. J'ai assez d'expérience pour pouvoir le faire. Alhamdoulilah, on est arrivé à produire ce travail, bien qu'il soit bien évidemment perfectible comme tous les travaux. Mais c'est, pour moi, je suis satisfaite et reconnaissante de l'effort qui a été fourni. Alors, la candidate, depuis toute jeune, elle a développé un fort sentiment d'appartenance à notre cher pays, le Maroc. Plusieurs questions taraudaient son esprit. Moi, je me rappelle même quand elle était en première année chez moi. Elle était étudiante chez moi en première année, il y a de cela 14 ans. Et à chaque fois, à la fin de ma séance de cours, elle vient me dire « Mais madame, regardez notre pays, comment il est, les gens, ils sont pas sérieux, il y a du gaspillage. » Et quand on était, elle était en deuxième année, parce que moi aussi, j'ai enseigné la GRH, et dans un cours de GRH, elle était partie faire, je me rappelle de ça, tu te rappelles, et tu avais projeté devant tes camarades en amphi, elle était partie faire un micro-trottoir avec les retraités. Et elle me disait, mais non, les retraités, ils sont en train de jouer là, tu sais, à bout de dame, hein, dans la rue, et elle est partie faire un micro-trottoir. Là, mais quand même, tu as le temps d'aller sortir, de prendre une caméra, de chercher une caméra, d'aller faire des interviews avec des gens. Donc, quand elle vous dit les deux heures avec les patients, c'est-à-dire que c'est vrai. Et moi, je sais que dans le cadre de son travail, elle a fait le tour de tout ce qui est sur Rabat, Kenitra, etc., les hôpitaux. Elle est partie voir les médecins. Elle est même partie travailler en tant que stagiaire chez des médecins pour mesurer, pour un petit peu faire... pour construire son... C'est même moi, j'ai vécu, assise. Et des fois, là, elle m'appelait, je ne répondais pas. Parce que là, c'est... Et quand elle m'appelait, elle me prenait pendant une heure. On discutait et on discutait au téléphone. Mais c'est fou, hein. C'est-à-dire que ce lien qui existe entre elle et moi, enseignante et enfin encadrante et doctorante, c'est un lien fort. Mais pourquoi est-ce que ce lien existe, que je n'ai pas peut-être avec d'autres? C'est parce que la demoiselle, elle donne ses tripes. Vraiment, ce qu'elle fait, elle a du... vraiment, pour elle, le Maroc, c'est quelque chose de waouh, magnifique. Et bien, il va falloir donner un plus de sa part à elle en tant qu'étudiante chercheur, donner un plus à ce Maroc. Et donc, quand elle a dit, moi, ma théorie osr, je lui ai dit, non, mais ça va pas, Sadeqa, mais pourquoi tu vas faire une théorie osr, nouvelle? Et elle m'a rappelé Louis Bachelier. Je ne sais pas si vous le connaissez, Louis Bachelier. C'est un génie de la théorie de la spéculation qui, en 1900, il avait soutenu sa thèse de doctorat. Il était donc il l'a soutenu devant Poincaré, mathématicien français très connu. Et quand il l'a soutenu, il n'a pas pu être embauché en tant que professeur universitaire. Il ne l'a été que quand il était vieux. Et c'est 50 ans après, ou là, 60 ans après, on est revenu sur la théorie de la spéculation de Bachelier, de Louis Bachelier. On s'est dit, mais elle est à la base, cette théorie, de toutes les théories financières. D'un ben, un an, quand j'enseigne la finance de marché, je me base sur la théorie de Bachelier. Alors que personne n'avait cru en lui. Pourquoi? Parce que Bachelier, c'était un jeune homme qui avait pris la peine, et il était courageux, il a innové. Il a ramené quelque chose de nouveau et il y avait cette réticence au changement. Ben non, on ne peut pas. Ce qui était normal. On les appelle des biasionistes. Alors maintenant, voilà. Et maintenant, au Maroc, on se dit, comment ça se fait qu'un étudiant puisse se dire, ben, je veux innover, je veux créer une... Mais pourquoi ne pas créer? Alors moi, je crois en elle et je crois en tous les étudiants
qui cherche à changer le monde et à créer des choses nouvelles. Il est vrai qu'il y a plein de critiques que l'on peut... Mais c'est normal, quand on veut créer, il y a des critiques. Et c'est grâce aux critiques qu'on va avancer. Alors nous, notre problème, c'est que si Hichem, si vous vous rappelez, quand on était jeune étudiant, on avait une matière épistémologie en première année. Donc on comprenait cette notion, on comprenait pas mal de choses. Donc on a étudié Descartes, on a étudié pas mal le hasard, pas mal de choses. Ça nous a ouvert l'esprit. Ou même c'est que quand ils sont venus étudier chez nous, il n'y a plus ma pratch l'épistémologie, ma pratch la pensée économique, ma pratch l'histoire des faits économiques. Et donc, c'est, je lui ai dit, mais va lire. À chaque fois, il me posait des questions. Mais moi, je ne suis pas spécialiste, mais va lire. Moi, là, c'est finance. C'est pas, mais va lire, moi je te lis, je te corrige, je te réoriente, oui. La logique, oui, je suis avec toi, mais va lire. Et même la méthodologie, il y a un module méthodologie qui est enseigné pour les doctorants, mais ça n'a rien à voir avec la méthodologie. Et moi j'aimerais que si Chaoui, que vous, vous enseignez la méthodologie pour nos étudiants. À Tim Skins, si Chaoui, à chaque fois je lui envoie quelqu'un. Parce que moi, je ne suis pas de... Quand vous parlez, madame, analyse quantitative, qualitative, ça, je comprends. Mais quand vous parlez de logiciel, ça, je ne comprends rien. Et je le dis, je suis sincère. Et je n'ai pas à comprendre. Voilà. Parce que normalement, quand il y a des modules, c'est pour enseigner aux étudiants des choses qui n'existent pas dans la réalité. Voilà. Alors, donc ça, c'était juste Hada. Alors, quand elle dit 14 ans, c'est vrai. Ah oui, elle y travaille depuis 14 ans. Zama, ça, je vous le confirme. Je vous le confirme. Une partie out. Ah, c'est... Non mais... Exactement. Et vous savez que le système sanitaire, pour moi, son étude à elle, dans le cadre de son étude, il est tout à fait adaptable au système de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale aussi. On vit la même chose. Il y a de bons profs, il y a de mauvais profs. Il y a des profs qui donnent également, et c'est l'exemple de nous qui sommes, je pense, là. On a accepté, vous avez tout lu. Mais Afti, quand vous dites, vous donnez vos remarques, je vois que vous avez tout lu. Il y a des profs qui ne lisent pas. Donc, vous avez lu. Et donc, vous faites partie également de cette théorie, de ces gens bienveillants qui veulent du bien pour les candidats, pour les étudiants, pour le futur, pour le Maroc. Haja Khoura, je pense qu'elle a publié 6 ou 7 articles et elle voulait encore publier. Non, mais stop là, ça fait baraka. Tu stops, s'il te plaît. Tu laisses ça pour après parce que quand même, elle est malade. Moi, je sais qu'elle a plein de maladies et à cause de ça, elle a refusé tout ce qui est travail. Elle ne voulait pas travailler. Elle voulait consacrer toute sa vie, cette partie de sa vie à la recherche. Voilà, et je voudrais vous remercier. Merci beaucoup. Merci infiniment, Madame Kortsamenzli, pour ces éclairages aussi édifiants, bien évidemment, comme je l'ai dit, le moment de soutenance, en réalité, c'est un moment de partage. Oui. C'est un moment, en fait, d'échange, plus que de jugement. D'ailleurs, hier, je l'avais signalé également. Je dis, quand on a un candidat devant nous, personnellement, nous acceptons, c'est que nous savons déjà que ça mérite. Ouais. Ça mérite. Sinon, s'il y avait quelque chose de bâclé, personnellement, et je sais pertinemment tous les collègues qui sont autour de cette table et qui sont des jurés de renom, n'accepteront pas. Et même s'ils acceptent parfois, dans la limite d'une certaine flexibilité, ils expriment réellement ce qu'ils pensent du travail. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas cacher ce qu'ils pensent du travail. Parfois, on se retrouve dans des situations plus ou moins délicates, disons de flexibilité entre collègues, mais ça ne n'empêche pas en tant qu'autorité scientifique, parce que je dis personnellement, aujourd'hui, on ne passe pas les travaux à travers le filtre du laboratoire expérimental. On les passe suivant le filtre de l'autorité scientifique, ce qui fait quoi ? Allez, je vais le comité scientifique de telle revue. Wesh, on a le comité. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça signifie en épistémologie, l'autorité scientifique qui a autorisé à ce que cette connaissance devienne scientifique et accessible à la communauté scientifique. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Ils comprennent que c'est du jeu, alors que c'est du vrai. Et c'est pourquoi nous avons aujourd'hui été là. Donc je remercie Madame Melmzi d'avoir... non seulement, je dirais, jouer le rôle d'avocate, mais d'avoir exprimé un sentiment profond envers sa candidate. Et l'expression que vous avez eue quand elle parlait, ça montrait cette relation qui devait et qui doit être toujours entre un candidat et son encadrant.
C'est ce qu'on appelle la relation du respect et de confiance mutuelle. Une relation qui laisse toujours mon encadrant, toujours mon professeur, même si un jour, je peux m'asseoir à ses côtés. Je me suis retrouvé dans des situations où je présidais une séance, par exemple, dans une séance inaugurale d'un colloque, où il y avait mon prof. Et quand je terminais la séance devant tout le monde et le public, je me mettais sur sa tête pour leur dire à tous, bien que j'étais président aujourd'hui de mon prof, il reste mon prof et c'est lui qui m'a appris les choses à ne pas oublier. Je demande à l'audience, vous et la demoiselle dans la salle également, monsieur le caméraman, que le remercier de nous avoir assisté aujourd'hui, de disposer pour 5 à 10 minutes le temps que nous délibérons et vous retournez à la salle. Le 5 décembre 2020, on s'est réunis afin d'examiner le projet de thèse doctorale en sciences économiques et de gestion présenté par Mme Sadeqa Al-Mu'allem. On a soutenu son projet de thèse de doctorat sur le thème « Les modèles de développement entre utopie et réalité cas du Maroc » sous la direction du professeur Mme Kautsar Al-Minzi, PES à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Suisse-Rabat, et devant un jury qui est complété par moi-même, professeur Hicham Atosh, en tant que président PES à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Suisse, Madame Kautsar Al-Minzi, qui est la directrice de thèse et membre du jury, Monsieur Abdullah Echaoui, professeur habilité et relevant de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Suisse-Rabat, et devant Madame professeure Bouchra Bennani, prof habilité à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à la Faculté Ain Sebaa de Casablanca, et bien évidemment professeur Amen Najeb, pour des raisons de santé, qui n'est pas aujourd'hui parmi nous. Après délibération, les membres du jury ont décidé d'accepter votre travail, la dite thèse, et lui attribue le titre, on vous attribue le titre de docteur en sciences économiques et de gestion, avec la mention très honorable, avec félicitations du jury et recommandation de publication. Félicitations. Félicitations. Félicitations.